Alors, comment ça va aujourd'hui? Pas super bien, on est les deux complètement épuisés. On a campé dans le bush pour la deuxième nuit consécutive, donc sans douche. Et là, ça fait 50 km qu'on fait. On nous avait promis de la descente, on nous avait promis une route goudronnée, et la météo annonçait plutôt du beau temps. Alors là, c'est vrai qu'il y a du soleil. Mais on vient de faire 10 km sur la piste, donc sur une piste en caillou, en boue, sous une grosse averse. À part ça, les 50 km qui étaient censés être de la descente, c'était en dents de scie tout le long. On est à la même altitude qu'à laquelle on a dormi cette nuit. Donc ça fait plus de 3 heures qu'on roule et on n'a plus grand-chose à manger. Là, c'est la pause déjeuner, Donc, il y a il est quoi? 4 heures de l'après-midi. Donc, il y a quoi aux repas de... Alors, il nous reste un petit bout de saucisson à partager. C'est un morceau de saucisson que quelqu'un nous a donné sur la route, quand même. Quand on était un peu en galère, il s'est arrêté, un Allemand. Et puis, ça fait 6 ans qu'il est sur la route. Donc, on lui a demandé un petit peu à manger. Et il a surtout pas dit non, au contraire. Il nous reste encore un petit morceau de cake aussi qu'il nous a donné, un cake aux bananes. Il nous reste 2 Pringles et demi. Et puis là, dans notre sac de victuailles, ben, il nous reste de la salade qui est en train de moisir. Il nous reste un fromage qui n'est pas français du tout et qui est Qui est mangeable. mangeable. Et puis qu'est-ce qu'il nous reste encore? Il nous reste 2-3 morceaux de jambon, mais on n'a pas de pain pour le mettre autour. C'est pareil que le saucisson. Et puis il y a des trucs là. Et enfin, ouais, il y a 2-3 chamallows parce qu'on s'est quand même payé le luxe de se faire des chamallows sur le feu il y a 4-5 jours. Il nous en reste 2-3. Voilà, mais bon, il faut positiver. Le soleil, enfin, je parle un peu vite parce que là-bas c'est encore tout noir. Pour le moment, là, il y a du soleil, il tape fort. Il nous reste 19 km jusqu'à Dawson et on nous a promis, mais là je vois pas comment ça pourrait être autrement. On nous a promis 14 km de descente sur les 19 qui nous restent. Et sachant qu'on est à 1100 mètres d'altitude, encore et toujours, et que Dawson est à 500 ou 600, donc ça devrait descendre, logiquement. Bon, ben, bonne app. Merci.